Claude Zawati, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de GAN Assurance, donc on va parler de cet élément fondamental quand on crée son entreprise, qui est l'assurance, parce que finalement, c'est peut-être pas la première chose à laquelle on pense. Alors, à quel type d'assurance faut-il penser déjà quand on crée sa boîte ? Alors, quand on crée sa boîte, alors c'est sûr qu'on ne pense pas tout de suite à la problématique de l'assurance. Il y a bien d'autres problématiques à penser. Du statut, notamment, ouais. est déjà principale. Mais l'assurance est importante pour d'abord protéger ses biens, donc l'ensemble de son outil de travail, donc c'est très, très important. Ensuite, il faut penser aussi à assurer sa personne en termes de protection, en termes de prévoyance, en termes de santé. Penser au futur également en termes de retraite. Après, suivant la structure de son entreprise, si on a des salariés, il faut aussi penser à ses salariés. Et il faut aussi penser à assurer ses salariés. Donc, vous savez que depuis le 1er janvier 2016, c'est obligatoire d'assurer ses salariés sur la complémentaire santé au travers de ce qu'on appelle l'ANI. Et donc ça aussi, c'est un élément primordial et très important à prendre en compte dès la création de son entreprise. D'accord. Alors, est-ce que chez GAN Assurance, j'imagine, il y a des outils spécifiques parce que c'est ça un prix, tout ça. Est-ce que vous faites des packages, des choses particulières pour les petites entreprises, pour les créateurs ? Alors, je dirais que l'outil principal de GAN Assurance, c'est d'abord ses agents généraux. Des agents généraux qui sont justement au service des entrepreneurs. Ce sont eux-mêmes des entrepreneurs, donc ils connaissent bien cette problématique et ont l'habitude d'accompagner les chefs d'entreprise, les TNS, l'ensemble des acteurs du monde de l'entrepreneuriat dans leurs problématiques d'assurance pour faire des bilans personnalisés. Donc nous avons ce que l'on appelle le suivi expert qui permet donc de suivre l'ensemble de l'activité des entrepreneurs et tout au long de leur carrière. Après, en termes d'outils, bon, nous avons plutôt du sur-mesure. On essaye plutôt de faire du sur-mesure en termes d'offres. C'est comme un contrat particulier. Voilà, comme un contrat particulier, mais l'important, c'est vraiment de bien balayer l'ensemble des besoins de l'entrepreneur, à la fois sur ses biens privés, mais également, donc sur, comme on l'a dit, sur son outil de travail. D'accord. Alors, juste pour terminer, si vous aviez un conseil à donner, c'est quoi la clé pour être bien assuré et ne rien rater ? Ben, j'irai. À part venir chez vous. Voilà. Je m'y attendais. Forcément, allez voir nos agents généraux et prendre le temps, parce que comme on l'a dit, c'est pas le premier réflexe. Mm-hmm. Et donc, il faut faire confiance à des professionnels. On pense souvent en termes de professionnels, aux experts comptables, aux avocats avec lesquels on a des partenariats depuis longtemps, mais aussi penser à l'assureur, à son agent général qui peut être vraiment de très bons conseils. Très bien, Claude Zawati, merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée.